Le championnat suisse est de retour et d'entrée, on vous offre cette pépite signée Roko Simic, un nouveau visage, un nouveau joueur du FC Zurich. Deux matchs à l'enseigne de ce début de 17e journée que nous avons vécu en compagnie de Claude Gross. Elle a été longue l'attente, hein, 69 jours Claude. Quand on aime le foot, même si on a eu la Coupe du Monde là au milieu, c'était long. Oui, on a eu la Coupe du Monde pour nous faire patienter. Mais après la Coupe du Monde, effectivement, le championnat suisse, notre championnat, commençait à nous manquer. Et c'est bien que ça recommence dans des conditions un petit peu hivernales, quoi. Très hivernales. Très hivernales. On se demandait à quel visage notre championnat suisse allait reprendre. Bah, 7 buts, on reprend sur des excellents standards, on va dire. Oui, on a eu une très bonne première partie entre Lucerne et Zurich avec des buts. La deuxième partie était un peu plus compliquée avec Ibé qui a mis du temps à se mettre en route, mais avec des buts et des beaux buts en plus. Donc, belle première soirée. On va chronologiquement revivre cette première soirée 2023 de ce championnat. Et oui, nous ne sommes pas encore à mi-championnat. Et Lucerne et Zurich s'étaient séparés sur un score nul et vierge de 0-0 lors du premier tour. Et là, eh bien, on a vécu une soirée à émotion avec une première mi-temps équilibrée. On n'a pas retenu grand-chose de cette première mi-temps. On rentre immédiatement à l'heure de jeu. Et tout va s'enchaîner. Tout va s'enchaîner rapidement avec une intervention de Lavar. Premièrement, on le voit, hein, monsieur Fedeïssan, on l'a vu furtivement, fait signe de jouer. Là, il est hors champ de caméra. Madame Staubli va appeler le directeur de jeu à Lavar et ce duel entre Schürpf et Koundé qui va conduire à la barre et Monsieur San qui va, suite à la vidéo, revenir sur sa décision. On s'est déjà longuement étendu lors du direct, on n'est pas changé d'avis. Non, personnellement, je trouve... discutable et généreux. Oui, je trouve que c'est dommage parce que, à mon avis, Monsieur San avait pris la bonne décision en direct. On le voit, regardez, là, il fait signe de jouer. Il prend le ballon, oui, et à mon avis, c'était la bonne décision. Je trouve dommage que la barre d'une décision qui, à mon sens, hein, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde, est beaucoup trop sévère. Et Koundé avait pris le ballon. Pour moi, j'aurais pas sifflé. Donc, c'est voilà, dommage. Monsieur San, pour moi, avait raison. On retrouve les débats en 2023 qu'on avait eu en 2022. C'est que maintenant, avec la VAR, image arrêtée, effectivement, il y a un contact à la hauteur du genou. Mais dans l'esprit du jeu, si on arrête les images, ça peut fausser toujours les décisions. Mais c'est un peu malheureusement le football, le VAR, 21e siècle, qu'on n'aime pas. Oui, mais des débats, il y en aura toujours. Même sans la VAR, il y en avait. Sur ces actions, sur cette action, beaucoup auraient donné pénalty, d'autres pas. Mais ce que je veux dire, c'est que la VAR n'arrange rien. Parce qu'à mon avis, voilà, M. San avait pris la bonne décision. Donc, de toute façon, des discussions, il y en aura toujours autour d'un terrain. Et c'est bien. Après, ce n'est que mon avis, mais je trouve sévère, sinon les défenseurs ne peuvent plus intervenir. On est là pour donner nos avis, Claude Gross. Eh ben, le mien est tranché, il n'y avait pas... Sinon, on n'a pas besoin de consultant. Et Max Meyer, lui, n'en a cure. Il pose le point, le ballon sur le point de pénalty. Il ne tremble pas, contre-pied parfait. 1-0 pour le FC Lucerne, juste après l'heure de jeu. En première mi-temps, on disait un but et ce match va partir dans tous les sens. Et il est parti dans tous les sens. Même si, dans un premier temps, c'est à sens unique, puisque c'est Lucerne qui va être tout proche de doubler la mise. Schader, dans un angle somme toute assez fermé, qui est à deux doigts de doubler la mise et de tromper un excellent, hein, Kostadinovic. On en reparlera d'ici quelques instants, hein, du portier suppléant du FC Zurich qui a fait le job ce soir. Là, c'est le poteau qui vient à sa rescousse. Zurich pousse, Zurich se dégarnit. Schürpf voit Schader à la limite du hors-jeu. C'est Guerrero qui coupe le hors-jeu. Schader qui ignore Aboubakar et qui inscrit là le 2-0. Regardez l'horloge, on se dit la messe est dite. Oui, d'autant plus qu'après avoir mené 1-0, Lucerne a continué à jouer. Et Zurich avait quand même la peine à se créer beaucoup d'occasions, bien que dominant. Et ce 2-0, on pensait que ça allait éclore les débats.
Ce d'autant plus qu'après ce énième ralenti de cette deuxième réussite lucernoise, eh bien Lucerne a failli inscrire, aurait dû même inscrire le 3-0. Mais l'homme du match, Živko Kostadinović, va permettre, on ne le savait pas à ce moment-là, va surtout permettre au FC Zurich de rester dans la rencontre, malgré ce score déficitaire de 2-0. Une nouvelle fois, un Schürpf à la baguette et Kidje qui échoue devant un excellent portier zurichois. Et tout à coup, eh bien, il va se passer un truc incroyable. 77e minute, ce nouveau joueur croate de 19 ans, arrivé de Salzbourg, dans les rangs du FC Zurich, réveille tout le monde avec cet éclair de génie. Et là, on se dit, il a dû toucher, hein, le gamin. Oui, oui, alors là, le goal est magnifique, l'équilibre, tout est parfait pour son premier ou deuxième ballon. Trois minutes après être entré, le but est magnifique. Et c'est lui qui embarque toute l'équipe avec lui. On voit qu'il rappelle ses coéquipiers, alors qu'il vient d'arriver, un bel état d'esprit. Un peu plus, 3 minutes, il est rentré à la 77e, il marque à la 89e et il récidive dans le temps additionnel. Vous disiez, Claude, lors du direct, bienvenue en Suisse. C'est la meilleure manière pour se mettre tous les ultras. Je cherchais le nom des ultras zurichois. La Sud Courvet, j'ai retrouvé, c'est la reprise pour tout le monde. Se mettre la Sud Courvet et tous ses coéquipiers, hop, dans la poche. Et dans la poche, ouais. Et surtout, la Sud Courvet est importante, mais les coéquipiers aussi, on le voit sur le deuxième but, il part, il y a tout le monde qui vient avec. C'est bon, dans le vestiaire, il a la place. Bienvenue chez nous et continue de jouer de la sorte et de marquer pour nous sortir de cette situation. Quand on repart avec un point de Lucerne, c'est un bon point. Quand on repart de Lucerne avec un point, au vu de la physionomie du match, pour la Lanterne Rouge, on va dire que c'est presque mieux le scénario comme il s'est déroulé qu'un 2-2, on va dire, standard, qui vous frustre, non ? Je ne sais pas si c'est mieux, mais c'est vrai que pour le moral, de revenir de 0-2 à 2-2, on avait l'impression que Zurich retombait dans les travers du premier tour où ils étaient dominants et ils n'arrivaient pas à conclure et ils allaient perdre ce match. Et pour le moral, ça n'aurait pas été bon. Et vous avez raison de revenir comme ça, ça vous envoie encore de l'énergie, encore plus d'énergie. Donc, je ne m'inquiète pas trop pour ce FC Zurich. C'est jamais simple d'aller jouer à Lucerne. Ils ont fait un bon match et c'est vrai que peut-être l'homme providentiel, celui qui va marquer les occasions que Zurich ne marquait pas, peut-être qu'on l'a vu ce soir. En tout cas, déjà deux buts, c'est la moitié de Camille Tosin sur le premier tour. On a vu deux hommes importants ce soir. Ce nouveau visage qu'on va noter, Roko Simic, auteur de ce doublé en un peu moins de 30 minutes de présence sur les pelouses helvétiques, mais aussi à l'autre bout du terrain. Ce joueur que vous connaissez par cœur, Živko Kostadinović, puisque vous l'avez entraîné de longues années durant, il a été décisif ce soir à plusieurs reprises. On revoit quelques-unes de ses parades dans cette rencontre. On en a sélectionné trois, on aurait pu sélectionner plus. Ça ne vous surprend pas vraiment la partie livrée ce soir par Živko Kostadinović, Claude Gross? Non, et puis il y en a une après 45 secondes de jeu, et celle-là est importante pour un premier ballon, il y avait parade. Elle ressemblait un peu à celle-ci. Non, ça ne me surprend pas, je vous l'ai dit, un avant-match. Si Brecher n'est pas là, ça fait deux ans que c'est la doublure de Brecher, quelqu'un d'humainement incroyable. Il a tout le temps été derrière le gardien numéro 1, donc je trouve normal que si Brecher n'est plus là pour une petite série ou une grande série, c'est le numéro 2 et c'est lui, Kostadinović, qui doit prendre sa place. Et il a le charisme et les qualités pour le faire. Il l'a prouvé ce soir. Mais non, attendons de voir la disponibilité de Brecher. Pardon. Mais si c'est un, deux matchs, Brecher reprendra sa place. Si c'est plus longtemps, Kostadinović restera au goal et on ira chercher un numéro 2. Je pense qu'en tout cas, ce soir, il a laissé place à aucune ambiguïté. Lorsque l'on revoit les parades qu'il a réalisées, si on doit aller chercher un gardien, c'est pour être la doublure de Kostadinović si la blessure de Brecher devrait s'éterniser. C'est exactement ça, mais pas pour prendre sa place. Alors après, tout peut arriver dans le foot, mais on n'irait pas chercher un numéro 1 pour remettre de nouveau Kostadinović sur le banc, et c'est normal. Pour moi, c'est logique. Ce serait immérité. Ah, complètement immérité. Et dans la logique sportive, pour moi, c'est logique. Et visiblement, les dirigeants de Zurich sont dans cette même logique. Donc, ça me ravit et je suis content pour lui, bien évidemment. Et au vu de son match, c'est tout à fait normal et logique que l'on retrouve le portier zurichois aux côtés de Stéphane Amoruso à l'heure de l'interview.
Oui, avec Živko Kostadinović qui a été décisif aujourd'hui. Et finalement, ça a payé parce que quel scénario, Živko, mené 0-2, vous ramenez un point un peu miraculeusement ici de Lucerne. Oui, vous avez bien résumé le match. On a montré une force de caractère incroyable. On savait qu'on avait cette force de caractère, puis aujourd'hui on l'a prouvé, puis c'est un super bon point pour commencer ce deuxième tour. Et on se dit qu'avec ce que Zurich a montré tout le long du match, perdre aujourd'hui, ça aurait été quand même frustrant. Ouais, je pense aussi. Après, ça s'est joué à quelques détails. Après, je ne sais pas s'il y a pénalty sur le premier goal, mais on est content avec le point. Puis en ce qui vous concerne, vous remplacez Yannick Brecher. Alors, c'est déjà arrivé quelques fois par le passé, mais là, c'est pour cause de blessure. Ça peut durer. Est-ce que pour vous, c'est aussi une situation de vous mettre en avant? On l'a vu aujourd'hui, vous avez déjà fait des arrêts décisifs. Bon, c'est toujours une chance pour prouver les qualités que j'ai, puis moi, surtout aider l'équipe. On sait dans la situation qu'on est, puis je pense que tous les 22 joueurs qui sont dans le cadre, ils sont concernés par la situation. Puis quand on reçoit la chance, il faut venir sur le terrain et aider l'équipe. Voilà pour les réactions, la réaction zurichoise lors du direct. Aucun Lucernois n'était venu à l'interview. Finalement, c'est Mario Frick qui s'y colle. On le retrouve toujours. Les propos recueillis par Stéphane Amoruso. Forcément, un entraîneur lucernois déçu. Nous sommes naturellement déçus. C'est extrêmement frustrant pour nous. On avait le match bien en main. On a même eu une immense occasion de 3-0. Klitsche n'a pas été assez cynique devant le but, mais avec ce goal, c'est sûr, le match était plié. Après le 2-1, on sait que tout peut arriver. Ce but a un effet psychologique, c'est évident. Il a un effet psychologique sur l'adversaire et sur nous aussi. Zurich a obtenu un point chanceux. Mon équipe était de loin la meilleure équipe sur le terrain et elle aurait mérité de gagner. Voilà pour les propos recueillis au terme de cette première rencontre disputée dans cette cuvée année 2023. La fin du deuxième tour pour le FC Zurich, c'est dimanche prochain à domicile face à Saint-Gall et Lucerne se déplacera samedi à Bâle. Voilà pour ces deux clubs alémaniques. Deux autres clubs alémaniques étaient aux prises un peu plus tard dans la soirée. Getse IB, vous l'avez peut-être suivi en notre compagnie il y a de cela quelques minutes. Le leader incontestable qui a repris sa marche en avant sur la pelouse du Letzigrund. IB en maîtrise qui va s'imposer. On revoit les séquences de la première mi-temps. Première mi-temps que IB va boucler sur la marque de 1-0. On a tout d'abord un centre de Garcia qui aurait déjà pu permettre à Christian Fasnacht de se mettre en évidence. Là, Moreira est solide, mais c'est un peu à l'image de ce qu'on a vu, sans être dithyrambique. IB a déroulé, s'est créé les meilleures occasions et va trouver l'ouverture à la marque sur une frappe de Montero. Alors qu'à titre personnel, je trouve mal renvoyé par le portier zurichois et Christian Fasnacht qui en profite pour inscrire son troisième but de la saison. Oui, c'est difficile à dire. On a l'impression que Moreira est un petit peu trop avancé et qu'ensuite, on ne sait pas s'il veut bloquer ou la prolonger. En fait, il fait ni l'un ni l'autre. Il la remet dans les pieds à Fasnacht qui le fusille à bout portant. En plus, elle lui passe après entre les jambes. Mais ouais, un arrêt étonnant. Mais je pense, n'étant pas spécialiste du poste, mais je pense quand même qu'il était un petit peu trop avancé et qu'avec un mètre de moins, peut-être qu'il aurait pu faire différemment. Le jubilé de Christian Fasnacht, couronné de la meilleure des manières. 200e match en Super League ce soir pour le vice-capitaine des Bernois. IB, qui dès le retour des vestiaires va prendre le match totalement à son compte et aurait pu doubler la mise à deux reprises par l'intermédiaire de Jean-Pierre Nsamé. Et là, la deuxième occasion de Nsamé qui est contrée par le retour de Seco. C'est quoi? C'est sur la prise de balle qui lui manque peut-être un mètre. Ouais, prise de balle, et surtout quand il se l'emmène. La prise de balle, il y a le contrôle, et après quand il se l'amène, elle reste dans les pieds, et le défenseur peut intervenir. Et comme souvent, on en rigolait au moment de l'entrée en jeu des remplaçants bernois. Le 2-0 qui va tomber des pieds de Castriot Imeri, mais là, bon, la relance de Losli, et puis Teruki Hara, nouveau visage dans le championnat suisse. Hop là, il se fait lober. Il n'a pas la même réussite que Simic tout à l'heure sous le maillot zurichois. Bon voilà, c'est un peu de malchance. Oui, il a mal évalué la trajectoire. Il est trop court et après il est lobé. Et puis Imeri, alors le plat du pied magnifique, hein, plein de carme, rien à dire. Et puis on s'est dit, tiens, si on revivait le scénario de Lucerne avec ce but
venu pas de nulle part, parce que IB a peut-être manqué de vigilance, le centre tir de Dada Achof, et c'est Carvalho qui se jette au deuxième poteau à la limite de la position régulière. 2-1, on va en rester là, pas tout à fait, puisque IB terminera ce match à 10. Ce geste en rappelle un autre, souvenez-vous, Iten, lui également, hein, s'était fait expulser pour un geste, on va dire comment, de videur. Il a voulu se débarrasser là, d'un défenseur un peu trop collant. Le pire, c'est que M. Sibelli lui accorde le coup franc. Et puis, il y a ce geste qui est réprimandé par la VAR. Oui, mais là, ce n'est pas pour se débarrasser. C'est un mauvais réflexe. Et Eaton, c'était un peu préparé. Il se fait ceinturer. Voilà, on est un peu énervé. On se retourne le bras à part. Il prend dans la figure. Et là, il s'est fait accrocher pendant 5-6 secondes. Et il veut s'en défaire. Et pour finir, c'est un geste d'énervement. Il ne l'a pas joué. Il est rentré très peu de temps. C'est le mauvais réflexe, tout simplement. Mais ce mauvais réflexe n'est pas bien grave et il doit être puni malgré tout. Donc, il y a, je crois qu'Eaton a pris 3 matchs pour son geste. On ne devrait pas en être loin. Alors, voilà, il y a vraiment toute la frustration qui est sortie sur ce geste. C'est dommage, le match était fini. Et, voilà, il n'y a pas titulaire. 3 matchs. Peut-être que ça a une incidence. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a, hein, il y a de la frustration. Ouais. Et on a senti de l'énervement. Et autre information qui semble se confirmer, Vincent Sierro pas convoqué ce soir. On est en pleine période de mercato. Ça pourrait signifier un départ à l'étranger pour le Valaisan. Très certainement. En tout cas, il y a certainement des approches pour qu'il ne soit pas convoqué. Et les Young Boys donc qui reprennent leur marche en avant. On écoute immédiatement des réactions d'après-match recueillies par Vincent Rigolet. Ulysse Garcia, match de reprise, on a senti qu'il avait un petit peu de peine à trouver son rythme. Oui, c'est vrai. On savait que le premier match, après autant de temps, c'est vrai que c'est pas la même chose qu'un match amical. On a eu du temps pour se mettre dedans, mais au final, on a trouvé un beau rythme. On a réussi à gagner 2-0, après on prend un but en fin de match. Mais je suis très fier de l'équipe et de ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Ouais, on dit souvent qu'Ibé a cette capacité, même de rien, de trouver des ouvertures. Et franchement, c'est un peu le cas ce soir. Il y a des buts qui tombent quand il fallait. Oui, c'est vrai. On a été opportunistes. On a su concrétiser les peu d'occasions qu'on avait. Et puis, c'est vrai qu'on a été efficaces sur certaines actions. Ouais. Quand on gagne, on est satisfait. Qu'en est-il dans le camp zurichois? Je crois que c'est Giorgio Contini qui nous répond. Toujours au micro de Vincent Rigolet. Giorgio Contini, je vous ai quitté il y a 2 mois ici avec une victoire face à Bâle. 2 mois, c'est une pause hivernale ultra particulière avec une reprise en plus dans des conditions compliquées. Ah oui, c'est comme ça, il faut accepter. On a essayé de faire le mieux possible contre une équipe qui est absolument top actuellement, IB. Et ça faut faire les choses dans le bon moment, dans le bon timing. On a raté certaines situations, qu'on a bien récupéré le ballon. On n'est pas allé au fond et défensivement, on a bien travaillé jusque sur certaines actions qu'on a fait de nouveau, des erreurs individuelles qui nous coûtent beaucoup de points à la fin. Vous me suivez si je vous dis que vous avez fait un match solide, discipliné, mais peut-être un peu sage, un peu respectueux quand même? Je pense à la fin, on ne peut pas faire des miracles. L'équipe, c'est ça qu'on a. La qualité, on l'a vu. Il nous manque de la vitesse pour attaquer la profondeur, ça on le sait. Alors il faut chercher encore plus de solutions au balle au pied. Et pour ça, il faut vraiment être dans un bon moment. Et aujourd'hui, avec l'adversaire qui ne te laisse pas le temps de choisir dans quelle position tu es, tu dois vite réagir et agir. Alors ça, c'est bien. On veut travailler défensivement mieux. Je pense qu'on l'a fait. On était plus courageux. On a mis quand même IB sur certains problèmes avec la construction. Mais à la fin, c'est la qualité individuelle de l'équipe. Évidemment, c'est trop, trop grand. Voilà pour les réactions d'après-match recueillies par Vincent Rigolet, que l'on remercie. On espère qu'il aura toujours ses orteils hein, demain au moment du décompte final. Claude, ça fait 7 ans de suite quand même qu'IB reprend le chemin du championnat par une victoire. Premier match hivernal que les Bernois ont traditionnellement pris l'habitude de remporter. Ben, c'est aussi marque du sérieux que veut tout de suite implanter le leader, ou même quand il n'est pas leader, hein, au demeurant, pour relancer une dynamique. Oui, bon, sur ces dernières années, souvent, ils étaient dominateurs. Et en étant dominateur, vous avez plus de chances de gagner le match de reprise au niveau statistique. Donc, Oui, mais quand on dit le match de reprise, on n'a pas forcément tous les repères et tout. Ce n'est pas vraiment le cas pour IB. Oui, mais c'est valable pour tout le monde. Mais IB a une marge d'avance sur ses adversaires. Donc, même si Guetze n'a pas ses repères et IB n'a pas ses repères, IB sera de toute façon supérieur. Donc, pour moi, il n'y a pas de surprise individuellement.
Et même collectivement, cette équipe est bien plus forte que celle de Guetze. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de surprise. Ils ont fait le petit match au petit trot et ça a suffi pour gagner. Bon, je sens bien que mon information ne vous a pas enthousiasmé. Désolé, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. On récapitule néanmoins les résultats avant de se quitter de ces deux premiers matchs de l'année. Donc match nul entre Lucerne et Zurich. Guetze qui s'incline à domicile face à Young Boys. Deux matchs au programme de demain. Sion-Lugano à 14h15 et Saint-Gall-Bâle un peu plus tard dans la après-midi. Winterthur, Servette est d'ores et déjà renvoyé pour cause de terrain impraticable. Au classement, Young Boys compte dorénavant 13 longueurs d'avance. Servette ne pourra pas recoller au tableau d'affichage, mais pourrait se faire dépasser et par Saint-Gall et par Lugano. Lucerne ne fait pas forcément une énorme affaire avec ce point du match nul et Zurich ne recolle pas sur les Basques de Winterthur, l'équipe qui milite juste devant le FC Zurich au classement. Sion-Lugano, le match a lieu demain. Allez, petite mise en bouche. Quatre équipes qui vont retrouver le chemin du championnat demain, au rang desquelles le FC Sion qui reçoit Lugano. Les retrouvailles pour Reto Ziegler, nouvel entraîneur, nouvelle dynamique. Je l'espère, je suis impatient de voir ce nouveau FC Sion qui a eu de la peine à boucler son premier tour. Alors, après un bon début de championnat, l'équipe a baissé en qualité et je me réjouis de voir avec un entraîneur totalement, avec des idées totalement à l'opposé de Tramezzani. Je me réjouis de voir ce qu'il va faire avec ce groupe. Il faudra peut-être encore un peu de temps. Hein. Demain, on ne va peut-être pas voir des grands changements, mais quand même, il y a une autre approche. Hein. Une équipe qui voudra être dominatrice. Voilà, donc je me réjouis de voir ce FC Sion évoluer tout au long du deuxième tour. C'est Alizée Lichty qui sera aux commandes demain. Elle vous attend dès 14h pour l'avant-match de cette rencontre à suivre dans l'enchaînement de cette présentation. Et le football remettra également ses trophées lundi soir à Berne. Le football suisse, hein, puisque la Swiss Football Night aura lieu au Coursal à Berne. Je vous propose de découvrir le clip qui fait honneur aux trois nommés au titre de meilleur joueur de l'année 2022. Allez, c'est là, c'est Copenhague avanti, Dumbia. Quel gol de Dumbia! Mamma mia! Aliti, retour à Dumbia. C'était Cambéry qui faisait l'appel sur le fond droit. Finalement, on a mis la transversale et la reprise parfaite. Und dann muss er sich strecken, weil Dumbia. La reprise de Stevanovic. Et qui, di più, arriva il gol di Miro Stevanovic. 2-0. Miroslav Stevanovic, 26. Spielminute. Vierte. Und wird gefährlich. Rieder mit dem 1-0 für die Young Boys. Attention, Rieder encore! Terra poi Pin vincente 1-0 Young Boys al settimo minuto. Un maillon essentiel à la conquête du titre pour le FC Zurich, une valeur confirmée du championnat suisse avec Miroslav Stevanovic, une étoile montante avec Fabian Rieder.
Maître Grosse. Je m'attendais à la question. On the j'allais, j'allais vous répondre par votre question. Effectivement, il y a un qui a amené Zurich au titre, un jeune espoir, et Stevanovic qui a fait une saison incroyable. Comme belle brochette. Comme on est départagé. Bah oui, la sélection est à mon avis juste, mais maintenant ça va jouer sur la sensibilité des gens. Voilà, Réponse lundi soir. Réponse lundi soir. Voilà, selon la formule consacrée, on vous en tiendra forcément informé. Merci d'avoir suivi cette rentrée des classes sur Blue Sport consacrée au championnat suisse. L'année 2023 est lancée, et bien lancée. On vous donne rendez-vous donc dès demain pour la suite et la fin. Pas tout à fait la fin, puisqu'il y a un match qui est reporté, mais la suite de cette 17e journée. Merci Claude. À merci bientôt. À vous. Merci à vous pour votre fidélité et une excellente nuit sur Blue Sport. Bye bye.